Donc, maintenant, voici notre photographe, enfin le mien, qui fait aussi toutes les photos de la menuiserie. Il était parti dans la dernière grande exposition des Journées européennes des métiers d'art en 2018 avec son atelier de retouche. Et la retouche, c'est un génie là-dessus. Donc, bonjour Émile. Salut Christian, ben, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Ben, Donc, moi aussi. en effet, la retouche, c'est un peu comment dire, ma spécialisation, puisque je le réalise pour de nombreux photographes professionnels partout en France, qui m'envoient leurs travaux. Mais moi, j'ai fait de la retouche à la main, puisque ça fait quand même bientôt 50 ans que je fais de la photographie en tant que professionnel. Et donc, la retouche, c'est pas seulement de l'infographie pour moi. Ah ben, surtout que moi, pour avoir assisté à des retouches, je peux dire que c'est quand même quelque chose, hein. Et c'est pas que faire du pianotage. Voilà, il faut quand même maîtriser d'une part la photo et d'autre part les logiciels informatiques, puisque maintenant, la retouche ne se fait plus au crayon et au tigeur et autres outils de retouche, mais ça se fait évidemment directement avec les logiciels, hein, bien sûr. Mais en plus, ces logiciels permettent désormais du travail vraiment de très grande précision et on obtient des résultats absolument merveilleux, c'est-à-dire que des photos qui sont très abîmées, on arrive à les rendre comme neuves, même des fois mieux que neuves. Ah oui, un véritable chirurgie esthétique, on va dire. Et pour l'avoir vu, effectivement, en vrai, c'est quand même quelque chose de très, très bluffant. Donc oui, et puis l'activité de photographe, c'est quand même ben, les mariages. Et puis je suis très heureux de savoir que tu as gagné un magnifique prix national. Oui, c'est vrai. Ça fait d'autant mieux plaisir que c'est un prix qui a été décerné par les mariés eux-mêmes. C'est donc, ça vient des clients eux-mêmes qui, d'ailleurs, je dis clients, mais les mariés deviennent finalement des amis lorsque je fais leur photo de mariage, parce que la photo finalement crée une espèce d'intimité avec les mariés, bien entendu, mais avec aussi la famille et tous leurs invités. Et donc, au-delà du travail photographique et des choses que je peux leur proposer, il y a aussi cette relation vraiment sympathique qui crée aussi ces images qui respirent comment dire, la joie, La joie, le le bonheur bonheur du du grand mariage. jour. Et sinon, là, il y a des mariages de prévus, là, avec le confinement ou pas? Oui, ben cette année, comme l'année dernière, c'est un peu compliqué, avec évidemment, c'est repoussé à plus loin parce que, bon, faire des photos de mariage alors que tout le monde est sous le masque et où le nombre de personnes est limité, c'est pas très intéressant. Donc, beaucoup de mariages ont été reportés à plus loin. Mais bon, ça n'enlève rien à mon activité actuelle. Je n'ai pas que les mariages, bien au contraire. Il y a cet aspect-là de retouche, tout ça peut se faire directement par Internet. C'est-à-dire que les gens peuvent m'envoyer des photos qu'il faut soit réparer parce qu'elles ont été abîmées, mais coloriser parce qu'elles étaient en noir et blanc et que ce serait sympa de les voir en couleur. Ça peut être aussi des effets spéciaux comme les effets pop-up, c'est-à-dire ce qu'on appelle les effets Andy Warhol. Il y a des photos, des montages par exemple, où on peut mettre sur la même image toutes les photos des enfants ou des enfants avec leurs parents ou leurs grands-parents. Voilà, on peut faire des tas de choses intéressantes. Donc, et oui, puis tu as les photos évidemment aussi pour en revenir un peu
à mon exposition les photos de mes pièces avec les pièces en pommes de pin que l'on peut voir aussi sur le site virtuel. Donc, et puis oui, puis pour moi qui fêtais à mes 25 ans d'atelier, donc hier, ça aurait pu faire une belle photo, mais ce sera pour la prochaine. C'est pas dramatique, mais il y aura toujours des occasions. Et puis malgré tout, le travail photographique par des professionnels, parce qu'il faut bien séparer les photos des amateurs avec beaucoup de retouches aussi, et puis la qualité et le sérieux des professionnels de la photo qui font partie, il faut le dire, maintenant des métiers d'art. Même maître artisan d'art, qualification honorifique, mais en même temps qui est l'aboutissement de nombreuses années de travail et de jugement par d'autres professionnels. Donc ça apporte, comment dire, une garantie de qualité et de service d'avoir ce type de titre. Alors la photo d'art, évidemment, je fais des expositions et je crée des photos artistiques, mais ça me permet aussi dans la photo, dirons-nous, de tous les jours et pour les professionnels d'apporter cette touche artistique. Mais il faut quand même dire que les amateurs font aussi de très belles photos, bien entendu. Ah ben c'est évident, mais il y a toujours le regard du professionnel qui des fois... moi je dis toujours l'art du détail, mais c'est vrai que beaucoup de choses, c'est l'art du détail. Et la photo, c'est aussi un travail de lumière, par exemple. En règle générale, c'est compliqué de bien gérer aussi et la photo et la lumière. Voilà. Et puis comme on est dans ce troisième confinement, je sais que tu as un beau site internet, donc tu vas nous rappeler l'adresse qu'on aille le visiter. C'est aussi un site qui permet de réaliser les règlements administratifs
Internet sans que vous ayez ni à vous déplacer, ni à m'amener les photos directement dans mon atelier. Donc voilà, en attendant de pouvoir revenir à l'atelier, mais là pour l'instant, il faudra encore attendre un petit mois au minimum si tout va bien. Hein? Donc on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Donc dire que bah, sur l'image que vous allez voir sur YouTube, vous pouvez voir une photo, tout simplement, enfin même deux photos sur l'article qui est paru. Sur maisons et jardins. Voilà, c'est parce que c'est mon photographe et qu'il est excellent. Mais écoute, je te remercie, Émile, pour ce petit passage agréable. Donc, et puis je te Avec grand dis. plaisir que j'ai répondu à toutes ces questions Ben et oui, puis on est sujet là. plus vaste, on pourrait parler pendant longtemps, Ben, si, évidemment, ben, si cette tu es là. exposition virtuelle, elle est là aussi pour parler ben, de l'exposition virtuelle qui fait son lancement officiel pour les JIMA. Et puis t'y parler parce que ben, tu as fait en sorte d'avoir quelques photos qui sont sur le site. Ça me fait très très plaisir, bien évidemment. Et c'est très agréable pour moi de t'avoir, que tu puisses citer ben, tout simplement ben, ton activité, tes sites, car on est sur un monde qui est. Pour moi, évidemment, le contraire de l'égoïsme, et on a besoin des talents de chacun. Et tu en fais partie. Et si on peut faire pour moi le travail, c'est aussi parce qu'il y a un photographe qui, derrière, tient la baraque et qui est excellent. Voilà, moi je le dis clairement. Bon, mais écoute, ben Ça merci, va faire en rougir. merci, merci Émile, et je te dis à la prochaine. À la prochaine. Allez, à la prochaine, salut. Au revoir.